Non, mon cher, j'arrive pas. Pourtant, c'est pas pendu, c'est assez plat quand même. On est à 2000 mètres d'altitude. J'arrive pas à y rentrer dedans. Là, ça fait 1h45. Il a plus ma GoPro. Non, mais j'y rêve. Ah, mais c'est pour ça que je la trouvais pas. Ah, mais il m'a volé ma GoPro. Non, mais je rêve. Donc, ça y est, le mec, il fait 3000 vues. Ouais, je mets. Il fait 3000 vues, ça y est, je fais partie des fantastiques. Hein. Non, mais. Oh, les melons, quoi. C'est même pas un melon, c'est une passe sec, là. Hein. Il va voir. Laisse-moi ça tranquille, mets-toi au travail, tu te tais, hein. Bouge. Oui, d'accord. Ça te va pour... Allez, bonjour, okay. J'ai pas que ça à faire. Hein. D'accord, oh. Ok. Bonne journée. On pourrait, mais je sais pas. Et on vient d'arriver à Font-Romeu. J'ai récupéré mon dossard. Je vais préparer mes petites affaires tranquillou là. Je vais boire mon petit café, mon petit croissant. Il y a tout le monde qui commence à arriver. Douce manette. Bravo. Le départ est donné pour 10 heures. Donc on va attendre patiemment. La totalité de l'année afin que vous puissiez aller vous entraîner. Il y a du monde à la maison qui vous attend lorsque vous vous entraînez. Il y a les organisateurs aussi qui vous attendent tous les ans pour vous accueillir afin que ce soit un véritable plaisir. Un plaisir. Un voyage intérieur. Des heures et des heures d'entraînement. Pour se retrouver aujourd'hui. Des heures et des heures. Sur cette 8e édition. Sur les deux ans. L'émotion. Les sensations. Forcément. Les Pyrénées catalanes qui vous attendent. Vous allez en avoir plein les yeux. Plein les jambes. Des moments difficiles. Un moment de bonheur avant de vous retrouver sur la ligne d'arrivée à Argelès-sur-Mer. Prêt à vous jeter dans la grande boue, à vous jeter dans les bras de vos accompagnateurs, de vos accompagnateurs. C'est parti! Allez les dix. Adieu. Mais non. Je vais mourir. Il y a un euphoriste. Allez, lui aussi, oh ah. Con. Encore un qui a mal fini, hein. Qui a mal tourné. Ouais. C'est quoi ton prénom? Olivier. Bon Olivier. Olivier des Pyrénées. Hey. Est-ce que tu veux passer un petit bonjour à Denis? Ah Denis, t'es super. Continue ce que tu fais avec les fantastiques. C'est super. Bon, en contrepartie, il a dit qu'il me laissait passer devant lui. Hein. Alors, il me laissait gagner. Alors. Et au pire, s'il part accident, j'arrive devant, je t'attends, je laisse, je passe pas la ligne d'arrivée. Hé, regarde. Avisez que tout le monde doit le savoir. Hein. Tu vas même pas y arriver toi. Eh je suis mamie, là. Tu m'as aimé quoi. Tu es trop vieux maintenant. Et moi non, moi pas. Est-ce que quand tu pisses, tu te mouilles les pieds? Hey, pas encore. J'écarte bien les jambes. Ben du moment que tu les écartes, ça va. C'est ça, c'est là. Oh, on est bien là quand même. Hein. Ouais, génial. T'aurais dû venir, Denis. T'aurais dû venir. Mais oui. Mais c'est fantastique. Hein. Ben oui, je vois. L'année dernière, il m'a doublé après le... Moi, j'ai fait ça. Ouais, elle a osé. Fred. Moi. Mais... Fait ouais, mais tu le veux, on avait peur. Mais moi, j'ai abandonné. Alors. On avait peur de se mouiller. Ah bon? Ouais. Je vais, ouais.
Ah là, je sens que ça va être génial. Bon, ça déconne, c'est très dur, hein. Ouh là là, on souffre beaucoup là. Ouh. Ah bon, là, c'est horrible. Dixième kilomètre. À 1h05. Ça y est. Les places, on commence à se faire. Tout le monde s'est mis en place. Maintenant, ben, il faut essayer de maintenir et être patient. Mais sinon, ça commence à être joli tout ça. Allez. 15e kilomètre. J'arrive pas à prendre mon souffle, j'arrive pas. Pourtant c'est pas pentu, ça, c'est assez plat quand même. Mais on est à 2000 mètres d'altitude, j'arrive pas à y rentrer dedans. Hein. Là, ça fait 1h45 et on pourrait, mais je sais pas. J'ai pas envie de me forcer là, il faut pas se laisser griser par la vitesse, par la facilité, parce que on va le payer plus tard. Enfin moi. Mais de toute façon, je peux pas aller plus vite. J'arrive pas à rentrer dedans. Bon, par ça il fait beau. Je me régale pour le moment. J'espère me mettre en place rapidement quand même pour prendre un peu plus de plaisir. Bonjour. Comment ça va, ma belle? Ça va? Moi aussi, ça va. Allez, bonne journée. Vingt-quatre kilomètres en 2h45, ça va, on gère, c'est joli. Alors toi, bonjour. On fait pas que marcher dans la montagne, on traverse les petits villages. Bonjour toi. Miaou. Et voilà. Bonjour. 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 Ah, ils ont que ça à foutre, les types, à courir. Encore. C'est ça.
après-midi. Et comment vous vous appelez alors? Je m'appelle Aline. Enchantée Aline. C'est très gentil à vous. Bonjour. Merci pour votre et sourire. Bienvenue à Soignas. C'est avec plaisir qu'on accueille cette course. Ben c'est un vrai bonheur. C'est avec plaisir qu'on y vient. Allez, bonne journée, au revoir. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup, au revoir. C'est ça l'ultra trail aussi. Je comprends pas, il y a des paparazzis de partout, ils sont cachés de partout, et à chaque virage on les trouve. Bonjour, bonjour. Bonjour, bon courage. Merci beaucoup. Bon courage, allez. Pas bien là. Ouh. Toujours avoir un mot pour les bénévoles. On les oblige pas à venir. Ils prennent de leur temps pour s'occuper de nous, les bénévoles, les photographes et tout ça. Donc, il faut pas péter plus haut que son cul. Il faut toujours prendre un petit moment pour leur faire un petit mot. Ils sont contents, et nous aussi. Allez, on continue. Déçu, je voulais un peu de neige, il n'y en a pas. Déçu, mais vraiment profondément déçu. Hein. Je suis déçu, déçu. Qu'est-ce que je suis déçu? Je suis profondément déçu. Mais bon, il y a le soleil, ça, c'est, ça aide beaucoup quand même. Mais sinon, c'est pas dégueulasse. Hein. Comme dirait Denis, c'est beau pour ceux qui aiment le beau. C'est tout. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui je suis seul. Je suis solo. Personne, pas de Fantastico. Pas de Denis, pas de Fred, pas de Mustapha. Personne, fifre, que moi. Moi et vous. Donc, il me manque. J'aurais bien aimé qu'ils soient là avec moi un peu, quand même. Partager ça avec eux. Mais bon, hein, dans la vie, on fait pas ce qu'on veut. On fait ce qu'on peut. ...30 heures de course. On est un peu plus de 30 km. Mais là, ça y est. La solitude commence ici. Il n'y a plus personne devant. Et... il n'y a rien non plus. Là, tout le monde a trouvé sa place. Maintenant, il faut la garder. Essayer de ne pas trop en perdre. Essayer d'en gagner. Mais bon, comme je dis, la solitude commence maintenant.
Il est que 2h de l'après-midi. Dans 20 km, on arrive à la première base de vie, ouais, je crois. Dans 20 bornes. Bon, un peu plus de 3 heures, je pense. Et voilà. On se reposera un petit peu. On mangera un petit peu. Et on repartira. Jusqu'au prochain. Canigou toujours là. Moi aussi toujours là. On est à 7 km je crois de la base de vie. Je pense que là ça va descendre. Donc là on a tapé un bon petit morceau en campette. Là ça va descendre. Là je commence à être fatigué. Mais bon, petit ravito, une petite soupe et ça repartira. C'est pas mal quand même, hein. Donc voilà, pas envie de parler. Moi ça va être fatigué, pas envie de parler. Bonne nuit. Je crois que c'est ça, Vernet les Bains. Ça serait, si c'est ça, c'est la première base de vie. Qui est sensiblement au 50e. Donc, je pense qu'il y a encore deux petits kilomètres. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai envie de pleurer. On vient de m'apprendre que c'était même pas la base de vie. C'est juste un ravito. La base de vie est encore 10 km plus loin. Oh putain, les gens. Oh putain, ils m'ont fait à l'envers. Oh, qu'on a ça. Elle est à 57 la base de vie. Oh. Eh. M'asseoir là, je vais plus bouger. Catastrophe.
1268 mètres. C'est pas haut, mais ça pique. Oh putain. C'était quelle idée de venir faire un truc à 1300 mètres d'altitude. Bon. C'est pas magnifique, hein. C'est un peu beau. Est-ce que à ce moment-là, je prends du plaisir? Regardez ma tête. Oh putain, je vais m'arrêter de boire un coup parce que j'en peux plus. Allez, paix le cul. Merci. Merci. Yeah. Cette fois-ci, on y est. On est bien à Vernier, bien. La première base de vie. Elle est presque à 60 bornes quand même. Hein. Enfin voilà. Il va falloir se poser un peu. Balle de vie. Merci, merci. Ouais, il fait bien, mais c'est pour vous. Hein. Ça a marché? Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Ça y est, enfin, ça y est. Merci. Ça y est, enfin, à la base de vie. Je suis sec. Alors, le petit repas qui va bien. Des pâtes. Allez, la saucisse. Et ça, je vais mettre des chips. Du coca. Et c'est nickel. C'était un peu compliqué. J'ai chaud au pied. Mais bon. 18h. J'avais prévu 20h. Bon, je suis 1h30 avant. Parce que j'avais prévu. Mais bon, je m'enflamme pas. Je suis content, il fait jour. Peut-être que je vais repartir, il fera encore jour, mais pas pour longtemps. Parce que là, c'est 7h20. Ah, dans pas longtemps, il va faire nuit noire. La lumière fait nuit noire. Donc voilà, je vais essayer de manger ça tout sous manette, reprendre des forces et partir. Là où la vie me mènera. Ça va rien dire, mais bon, je le dis quand même. Allez, tout à l'heure. Parce que j'aime pas qu'on me regarde manger. Allez, sort de la base de vie. Bien manger. Bien vu. Changer tout ce qu'il fallait changer. Des chaussettes, t-shirt, tout ça, mettre sec. Et voilà, j'ai mis la petite veine. J'ai mis la frontale. Parce que dans une demi-heure, il fait nous voir. Et on monte direction le Canigou. Il y a une grimpette de 3 heures. Paraît-il. 3 heures pour rejoindre un refuge qui est au Canigou. Donc, ne m'en veuillez pas si je ne vous parle pas pendant 3 heures. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Bon. Sinon, bon, encore il fait beau. Pas trop froid. Je crois qu'on grimpe vers là-bas. Là-haut. Là-haut, vers la montagne. Ouh.
Putain, j'étais bien au chaud, hein. Ah, une culette. J'étais bien au chaud. Mais bon. Je vais vite me réchauffer. Allez. À plus tard. Voilà. Il est 5h du matin. Je suis sorti de la base de vie. Pas si vous. Je suis parti de la base de vie au 100e kilomètre. Donc il me reste grosso modo 75 km. Bref. Et voilà, ben, je suis. C'est 5h. Je suis. Bon, ça va, ça va. Pour le moment, ça va. Ça va. Comme il n'y a pas d'entendre du bruit derrière moi, mais ça va. Putain. Bon, le bruit. Hein, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bordel? J'en ai connu. C'est quoi cette merde? C'est quoi? Oh putain, il y a une. Une boule de lumière qui arrive. Une boule de lumière qui arrive. Une boule de lumière qui. Il y a une boule de lumière qui vient de s'écraser. Et regardez qui c'est que je vois là. Les fantastiques. Putain, ils sont venus m'aider. Fred. Denis, Mustapha, les quatre fantastiques, ils sont venus m'aider. Ah, ils voulaient qu'on aille. Putain, on dirait la crèche vivante comme ça. Ils veulent être sûrs qu'on aille jusqu'au bout. Donc cette aventure, on va la poursuivre à quatre. Quatre fantastiques, on va en faire réunir. Pour une deuxième fois. Allez, à plus tard. Il est 8h15, la nuit se couche, et le jour se lève. Moi, ben, je continue mon petit bout de chemin. On est, je suis au 111e ou 112e kilomètre. Ça a été très dur cette nuit, très longue. Des montées très longues et très raides. Ben voilà quoi. Mais, bon. Heureusement que j'ai mes amis avec moi. Je sais pas si vous allez voir. Regardez. Vous les verrez après. Et voilà. Oh. Si ça, attends. Je mange un peu parce que. Non. 8h, ça fait 1h30 qu'on n'arrête pas de monter. Mais on n'arrête pas, mamie. Et donc voilà quoi. Là, je suis un peu. Je suis un peu sec. Donc, on me suis trouvé un joli caillou. Ils sont mis à la forêt, tranquille. Je me suis trouvé un joli caillou, je me suis assis. Et je mange un morceau. Ouais. Bon. Bon, en fait, maintenant qu'il fait jour, regardez. Mais... Vous le connaissez, lui? C'est Mustapha. Lui, c'est Denis. Ça va pas bien. Et lui, c'est Fred. On est quatre fantastiques. Voilà. Bon. On essaiera de faire un autre truc mieux tout à l'heure. You with the sad eyes. Don't be discouraged though I realize. It's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all. The darkness inside you can make you feel so small. But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to.
to let them show your true colors. True colors are beautiful. Show me a smile then. Don't be unhappy, can't remember when I last saw you laughing. If this world makes you crazy and you've taken all you can bear, you call me up because you know I'll be there. And I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. And I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. Your true colors are beautiful, like a rainbow. Chérie, alors ma belle, qu'est-ce que tu fais là? Pas bien là? Viens. Sorti de l'avant-dernier, enfin d'un ravito, direction le Pertus, dans 15 km. Ah, ça fait toujours bizarre de dire qu'on va au Pertus en courant. Mais bon, c'est la quatrième fois que j'y vais. Et là, bon, voilà, tranquille. Hein. Oh, doucement toi. Oh, avise toi, hein. Oh, hein. Avise, hein. Ouais. Où sont les autres? Eh ben, on les attend à la traîne, hein. Ah ouais terrible, hein. Ils avaient combien là? Non, ils sont bien, ils sont ouais bien. Ah oui, ils sont super bien. Ils sont dans leur truc là, ça va. Bon, ça va pas durer. Ciao, ciao, à plus tard. Non. Ouais. Oh putain, un peu cher. Mais où il va lui? Où tu vas toi, sans frein, sans phare? Bon, voilà. Perçu ça, 15 km. Ouais, normalement c'est pas trop violent. Enfin, je crois pas que ça soit, je m'en rappelle plus, mais j'ai pas souvenir. Ça monte un petit peu là, et pas souvenir que ça soit vraiment violent. Bon, à part ça, ça va. Toujours accompagné de mes acolytes, évidemment. Bon, ça va. Denis et Fred. Et moi. Les fantastiques. Bon, j'arrête de parler parce que les gens ils vont me prendre pour un fou. Ils vont croire que je parle seul. Allez, tchuss. Allez, on arrive bientôt au Pertus.
C'est fantastique au Pertusa. Mais moi aussi, avec mes copains. Départ de la base de vie de Pertus. Il reste, c'était le dernier. Il reste encore presque 40 bornes à faire. Bon, je rentrerai dans la nuit sûrement si je rentre. Mais voilà, c'est très dur, très dur, très dur. J'y arrive pas. Mais bon, doucement net. Hein. Allez, à plus tard. Tchuss. Ça souffle! Mais ça y est, ce périple de 180 km touche à son terme. Bon, il m'aura fallu 38 heures. Oui, 38 heures pour boucler cette petite boucle. Là, nous sommes à Argelès-sur-Mer, sur le port. Je vais rejoindre l'arche d'arrivée. Il n'y a personne. Premier, ils sont arrivés depuis longtemps. Et les autres sont encore là-haut dans la montagne. Donc, je vais voir quelle position je suis. Mais bon, je suis sec, hein. Je me suis combattu. Maintenant, c'est le jour, j'ai combattu contre la fatigue. La fatigue, le sommeil. Moi qui n'ai pas le problème, que je ne dors pas pendant les courses. Là, il m'a fallu dormir trois fois 10 minutes en deux jours. C'était fatigant. Là, j'avais pas. Physiquement, j'étais pas bon, quoi. Mais bon, quand même, je finis. J'arrive à finir quand même la course. Je sais pas comme il doit être. Mais il y a un paquet qui sont derrière encore. Voilà, quoi. Bon. Donc, comptez-vous.
La chapelle pour un second. Ça y est, le Saint Maïs 2021, édition, la 8e édition est finie. Je repars avec ma médaille de finisseur. Je repars avec ma loupier. Je repars avec des malheurs partout. Même je pourrais. Mais bon, mais tu sais que d'ici deux jours, j'aurais oublié tous les mauvais souvenirs, toute la douleur passée. Et que je me rappellerai que j'ai plus de souvenirs et voilà quoi. Mais là, pour le moment, j'ai plus envie de jouer. Mais voilà, bon. C'était pas la grande, grande forme. Mais on l'a fait. Ça y est, j'ai fait les coups de plus. Hein. Et là, maintenant, je vais rentrer à ma maison. Je vais prendre un bon bain bien chaud. Et c'est tout. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Merde.